Et voilà, petite histoire, petit magicien, on fera un petit tour de magie. Ouais. Et pour ça, j'ai ramené mes petits pas. Tu peux me donner un petit coup de main, montrer ta main. Ça peut le faire, ok. Voilà, on va déposer les deux balles ici. C'est qu'on fera une est pour moi. Et la deuxième, elle est pour toi. Fais bien la main. Ouvre ta main. On va refaire, mais cette fois-ci, on fera plus difficile, puisque tu sais déjà comment ça fonctionne. On va refaire, mais plus difficile. Donc, tu auras les deux balles. Tu prends les deux balles et tu fermes bien la main. Voilà. Et moi, je prends une troisième qui est invisible, une balle invisible. Je prends la balle invisible, je mets la balle invisible dans la main. Wow! Les gars, on est d'accord qu'il n'y a pas de trucage. Hein. Tu verras. Je vais vous expliquer à tous. En fait, c'est la vitesse. Regardez bien. Je prends la main gauche, je ferme la main gauche, je tourne avec la main droite sur la main gauche, et comme ça, il y a une pièce de dos. Tu vois, la monnaie, elle disparaît. Si vite comme elle est. Mais comment c'est possible? Comment est-ce que je peux faire? C'est impossible. Oh frère! Mais tu avais de la chance. Tu avais de la chance que j'ai pris la petite pièce. Attends, je vais te mettre dans l'eau. Imagine des pièces. Restez, regardez. Que j'aurais pris la grande. Ouais! Ça sort d'où?